life is such a fucking roller coaster. Then the drop. Mes crayons débiles, tous autant qu'ils sont. Parle, impie! Tu n'assisteras pas longtemps à la volonté. Tes crétins vont faire une erreur. Sois patient. Allez, un coup de main, s'il vous plaît. Pitié, vous devez m'aider. Merci de m'avoir sauvé la vie. Ces cinglés de fanatiques sont en roue libre. Si vous voulez de quoi vous protéger, je crois qu'il y a une cache de survivaliste près du hangar. Il y aura sûrement des trucs sympas. Putain, c'était chaud. Merci. C'est le jackpot. C'est une cage de survivaliste. Si t'arrives à y entrer, tu devrais y trouver pas mal de trucs utiles qu'ils ont mis de côté. Allez, va jeter un œil.
faire une plus grosse impression, tu peux toujours fabriquer de la dynamite. La bonne nouvelle, c'est que les gens du coin ont stocké tout le matériel qu'il te faut. T'as juste à te servir. Et au boulot! Ça ne sert plus à grand chose maintenant. C'est pas faute de leur avoir laissé le choix. J'espère que ces tocards en valent la peine. Garde l'œil ouvert. Ces gens auraient dû se montrer plus généreux. On est toujours à Bixem aujourd'hui. C'est pas faute de leur avoir laissé ça. Leur sort est entre les mains de Joseph. C'est quoi ce bordel ici? Pas on la chance, putain.
moi, Lens. Je sais pas trop quoi faire. Les SID ont aucun droit sur la propriété, puisque la station a été construite sur Internet. C'est ce qu'il faut pour le projet, j'imagine. Tu résisteras pas longtemps à la volonté du père. J'en viens pas. Pitié à l'aide. Je voyais pas comment on allait s'en sortir. Heureusement que t'étais là. T'as fait le bon choix. Alors, maintenant que t'as trouvé un équipier, vous devriez aller au poste de recherche de la forêt. La secte a envahi l'endroit, c'est là qu'elle stocke sa putain de grâce. Nettoyez-moi tout ça, comme ça, ils sauront qu'on n'est pas là pour déconner. Couvre-moi. Je bouge. Me déplace. Okay.
au poste de recherche. Les cinglés reviendront plus après la raclée que vous leur avez collée. Tant que vous êtes là, faites un petit tour, il y a peut-être encore des gens en vie. Ce sera pas moi, mais... Mais faudra bien que quelqu'un les arrête. Eh ben merde alors, là je dois dire, je suis impressionné. Je croyais pas que t'aurais le cran de le faire. Peut-être que tu vas réussir à lancer la résistance, on sait jamais. Bon, maintenant il faut nettoyer le signal radio. Ma cibi est foutue, je capte rien du tout sur cette île. La tour radio près de la côte sud doit être endommagée. Tu veux bien t'en occuper pour moi? Bien sûr. Enfin, pourquoi pas? Bien compris. Je suis juste derrière toi. Je change de position. Nos armes, on s'en sert juste pour se protéger des persécutions. Amen. La beauté urbaine, ça m'intéresse pas. Je préfère largement ça. Alléluia! Je vais essayer d'être discret. Je bouge! Jamais ça. Je me déplace. Je me déplace. T'as pas peur de te salir les mains ?
J'ai cru que c'était fini pour moi. Les battre, alors fais comme. C'est dommage pour tous ceux qui ont fait ce choix. Ils étaient morts de peur, j'imagine. Je sais ce que tu penses, et non. Je vais pas te faire escalader des tours dans toute la région, alors t'en fais pas. Essaie quand même de pas te casser la gueule. Oh merde. Officier, je capte un nouveau truc dans Holland Valley. C'est un message de John. Il faut que tu vois ça. Nous sommes des pêcheurs. Tous autant que nous sommes. Vous? Moi. Même notre cher père en fait l'expérience. C'est un poison qui pollue l'esprit. Mais si je vous disais qu'une délivrance est possible, si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles, si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées, si vous adhérez à une idée, cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un mot. Je suis un pêcheur. Oui. J'aspire à la rédemption. Oui. Je veux être purifié. Si vous me regardez, vous avez été choisi pour la purification. Confessez vos péchés
et vous aurez le droit de les expier. N'ayez crainte. Vous n'aurez rien à faire du tout. Nous viendrons à vous. Bienvenue à Eden's Gate. La secte a tapé le mot paresse sur ma poitrine. Ça fait un mal de chien. Ils font ça à tous ceux qu'ils attrapent. Je prie pour toi, officier.
Tu sais, je pourrais te donner une belle leçon de vie, si ça t'intéresse. Tiens, salut. T'as une minute ? Enfin, tu sais ce qu'on dit. Apprends à un homme à pêcher. Tu sais, je pourrais... J'arrive bientôt. Je change de position.
Je bouge. Déplace. Prends le volant. C'était chaud. Allez, en avant. Ok, en route.
Après toi, officier. Nixon, le plus grand cascadeur d'Amérique, organisa un week-end d'enterrement de vie de garçon pour son meilleur ami, George Rye, qui dura 3 semaines. Pendant les festivités, George fit le pari que Clutch ne pourrait pas piloter un avion dans un ravin voisin, tout en atteignant dans le mille tous les obstacles sur sa route. Ce à quoi Nixon répondit « Tiens ma bière ». Même si Clutch était si saoul que jusqu'à sa mort, il ne retrouva pas le plein contrôle de sa vessie, il parvint à relever le défi avant que sa bière ne se réchauffe. À ce jour encore, l'exploit du ravin de la mort n'a jamais été reproduit par aucun homme. Allez, en avant! C'est loin.
toi en approchant de Fall's End. La secte contrôle toute la ville. Tu vas devoir sauver Marie et Jérôme. Et ensuite, tu pourras mettre une bonne raclée à ces cinglés. Terminé.